Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait une coiffe de la Fuji Givre Fuchs. Alors, on peut se demander pourquoi cette coiffe qui est un peu dépassée aujourd'hui. C'est tout simplement parce que je suis en train de me faire un mode dommage mêlée sur un Yopter PVP. Et j'ai un besoin très spécifique d'une coiffe qui me donne des stats, on va dire, offensives dans la voie terre et de l'initiative, voilà. Et en fait, j'ai ce besoin très spécifique d'initiative pour que mon Yop joue en deuxième dans ma compo. Et la coiffe de la Fuji, elle fait 500 d'initiative. Il y a aussi deux lignes de raise, 7% feu, 7% eau, qui sont tout à fait intéressantes dans le mode que je prévois de jouer. Je vous le présenterai en temps voulu. Qui complète parfaitement mes raises, en fait, et qui équilibre le mode. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est chercher un jet near perf, sans le retrait PM, parce que j'en aurais pas besoin. Donc voilà, ça va pas être très compliqué avec le PO et on mettra un petit trans dommage mêlé là-dessus si on y arrive. Donc là, premier PO, on a 47 depuis. Je vais. J'ai deux over à gérer là. C'est un peu embêtant. Commencer par la Vita. Ok, ça passe. On va mettre une petite rune réfixe. Allez, moins 10. Ah bah alors, le crit, ok. Moins 11 évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vais rafaux. Ok, ça passe, ça c'est cool. Moins 8. Bon, on va encore gorer fixe pour récupérer. Parfait. Et là, bah, en vrai, j'ai plus grand chose à gérer. On va commencer par l'appât qui peut être un peu capricieuse peut-être. Bon, ça va, moins 4. On n'a plus grand chose à remonter, hein. On a les dommages. Moins 20, bah, il me reste tout pile une tentacle qui passe. Bah écoutez, si on a le PO, ça part en transe là-dessus. Et c'est plié. Ah. Ok. On continue. 46 depuis là-dessus. Ok, il m'aurait fallu la ravie. Auquel cas, j'aurais pu faire des petites folies. On va tenter ça. Une pod. Mais bon, maintenant, avec les deux ravis qui passent pas, évidemment, c'est la sauce complète. Je sais même pas si ça vaut vraiment le coup d'y aller. Allez, vas-y, on clique. Super. Vas-y, on va mettre de la rune sagesse. Ouais, je mets des runes sagesse, moi. Bon, allez, next. On a plutôt des bonnes congruences ici. On va commencer pas faux. Rafaux. Ok, ça passe. Moins 10. J'aurais peut-être dû commencer par la sagesse, en fait. Oui, j'aurais complètement dû commencer par la sagesse. Non, ça va, en fait. On va pas ça. Il faut en passer une autre là. Parfait. Moins 7. Et là, il faut que je récupère à la Paini. Ok. La Ravie qui passe. On n'est pas trop dégueu, hein. Moins 9. Rail, j'ai encore le tacle à mettre après. Ça passe pas. Évidemment, le PO repasse sur un jet éclaté. C'est trop chiant, elle était bien là. Bon, bah on continue. Hein. À moins qu'on full crit. Mais attendez, mais what the fuck? Il me faut juste le dos neutre. Le crit dos neutre et c'est bon. Ah, mais en vrai? Bon, ça n'a aucun sens. Attendez, j'ai même mis du puits là. Parce que là, du coup, j'étais à 0 sur celle-ci. Là, j'ai plus 1. Là, j'ai moins 10. Plus 5, plus 5, plus 3. Et après, j'ai plus 1, moins 5, 0. Ok, je suis à 0 là. Bah, en vrai. En vrai. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est pour un mode full terre, full dégâts, si vous voulez. Bon, les deux agis, c'était surtout pour tacler les fuites. Puis pour mettre des petites épées divines stylées quand on se booste, quoi, mais. Ça me va. Je vérifie qu'il y a, parce qu'il y a tellement de lignes sur ce truc et comme en plus on peut pas tout voir dans l'interface, c'est horrible de pas tout voir à l'image parce que je sors déjà de 123 tentas sur un orthographe, tenta PA, où je passais ma vie à scroll parce qu'on voit pas tout. Là je me retape la même chose sur une coiffe Fuji. Bon ça va, il pourrait pas mettre une interface FM un peu plus grande en vrai ou une capacité à dézoom. C'est infernal de pas tout voir. Donc on vérifie, il manque 4 d'ini, 2 d'agi. Le retrait PM, je m'en fous. La prospection, je m'en fous.
Écoutez, ça prend la rune trans, on passe à la suite. C'est pas forcément, c'est déjà signé en plus, c'est pas forcément le genre d'item sur lequel on a envie de passer 1000 ans, hein, je vous avouerai. C'est ok. C'est tout à fait ok. C'est bien dommage mêlé. Hop. Voilà. Bon, ça fait le job, hein. Ça fait le job, donc du coup ça va arriver très vite sur des vidéos PVP avec un Yopter énervé, avec un mode un peu atypique, mais qui devrait, je pense, vous plaire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo de Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Tous ces FM là, on les fait en stream sur Twitch, c'est assez sympa. Vous avez tous les liens en description si vous voulez aller voir ça. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.